J'en ai peut-être fait un petit peu des caisses là sur cette vidéo de souvenirs de vacances d'Invictus. Ouais. Bon, en même temps, c'est pas trop grave parce que j'adore ce vaisseau. Pardon, excusez-moi. Salut tout le monde! On se retrouve donc pour la visite du Carrack. On a déjà vu la soute et la porte de docking. Ici, on a un élévateur. On va pas le prendre, on va déjà visiter. Mais ça y est, ça commence avec les portes. Bref, on va déjà commencer par visiter par ici, l'espace cargo. On a déjà vu, lorsque je suis arrivé par la soute, qu'on peut y rentrer des véhicules terrestres. Et niveau capacité de chargement, le Carrack est à 456 SCU. Il y a de la place. Bon, on va remonter. Et c'est catwalk. Voilà. Ok. Donc il y a plusieurs compartiments comme celui-ci. Je ne veux pas descendre à chaque fois. C'est la même chose. Un troisième. On continue, on continue, on continue. Et là, où arrivons-nous? Alors, un élévateur, des escape pods, ok. Oh, passez par là. Weapons locker. De quoi ranger les armes. C'est mieux si elles sont pas à la portée de tout le monde. Alors, des capsules de sauvetage. Une tourelle. Ah, si, elle est là. Allez, c'est parti. Ah, on descend, mais on n'a pas la tête à l'envers. Cool! Donc, eh bien, nous voici dans la tourelle du bas. Cette tourelle, ainsi que ses deux copines, qu'on ira voir plus tard, possède deux armes de taille 4. Allez, on va descendre. Enfin, non, du coup, remonter. Bref, la suite. Par ici. Alors, ici, bah du coup, on est passé par l'autre côté. Donc là, on retrouve encore les escape pods et le rangement d'armes. Donc là, on a fait tout le tour. Ici, l'élévateur. Il va nous emmener où, celui-là? Cartographie, local technique, habitation, subdeck. Ok, on va aller juste au-dessus. On va faire les choses par étapes. Donc l'étage habitation, deck 2. On va commencer par là. Allez, c'est parti pour le couloir. D'ailleurs, au niveau du gabarit, le Carrack mesure 126,5 sur 76,5 sur 30 mètres. Et sur la balance, 4400 tonnes pour arrondir. On n'est plus à une tonne près à ce niveau-là. Et cette porte-là, me demandez pas. Je sais pas. Ça s'ouvre pas. Mais ça va pas nous empêcher de poursuivre la visite. Allez. Un élévateur. Celui-ci, où il peut nous emmener. Au niveau du deck technique, habitation et l'étage cargo. On va pas le prendre, hein, on va finir cet étage là. Chaque chose en son temps. Et oh, un billard. Cool. Ah, les toilettes. Ça peut servir aussi. C'est bien, c'est toujours pratique de savoir où ils sont.
Il y a le minimum, c'est cool. Les toilettes. Bon, allez, on va sortir de là et on va poursuivre, parce qu'il y a quand même d'autres choses à voir. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Étant donné que le Karak est un vaisseau d'exploration, faut bien trouver des occupations durant les longs voyages. L'espace dodo. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça doit être pour ranger les affaires, j'imagine. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah, d'accord. Bon, c'était rien, en fait. Allez, on va poursuivre. La petite banquette. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Alors, qu'est-ce qu'il dit de beau? Dare to dream. Oser rêver. Ouais, ok. Pas de problème. Je rêve qu'un jour je puisse partir en exploration à bord d'un Karak, visiter plusieurs systèmes, des planètes et des lunes que je n'ai encore jamais vues, me promener parmi les étoiles et... donc ici, il y a voilà, des petits objets de décoration. Oui, oh, ça va, chacun ses rêves. C'est un des miens. Vous n'en avez pas, vous? Bon, voilà, hein. La suite. Donc, d'autres emplacements pour ranger des affaires. Là, qu'est-ce qu'on a? Ne pas toucher. Ah bon? Bah, de toute façon, on peut rien faire avec. Petite carte postale de New York. Système Sol, planète Terre. J'irai peut-être un jour. Ça fait rêver. Enfin, la suite de la visite, pardon. Donc, bah, de ce côté-là, du coup, on a les douches. Pareil, il y a le nécessaire. Voilà. Allez, on va sortir de là. C'est sympa quand même. Franchement, j'aime bien. Même si, bah, du coup, je suis pas très objectif concernant ce vaisseau. Hâte de pouvoir jouer. Peut-être bientôt. Sous. Allez, hop, nous on vient de là-bas, donc ici on retrouve la cantine. En plus on peut avoir vue sur l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Ça fait pas trop cantine là par contre avec tous les bouquins. Sally Quadpo, le F7A Hornet, maintenance manuel. Wow. Ça rigole pas. Et ça, lui qui est des dossiers. Bon, c'est du coup la cantine qui fait salle de réunion. Il traîne là depuis quand le bol? Pfiou. Bon, allez, on sort de là. Ah. Ici. Ah, le bureau du capitaine. Bah oui, juste à côté de la cantine, salle de réunion. Et du cockpit aussi. C'est pas mal. On retrouve la petite carte postale de New York. De la lecture.
pas mal de livres. Et encore des livres. Terra, planète du système du même nom, Terra. Du coup, rien à voir avec la Terre du système Sol. Dun, dun, dun. Ceci était l'instant géographique. Bon, la suite. La place du capitaine. Enfin bon, c'est pas pour moi ce genre de... Non, je préfère la place du pilote. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ces quartiers. Ok. Le lit, l'écran de contrôle. Le doudou du capitaine? Donc, on a. Voilà, il y a d'autres choses aussi. Là, on ne peut pas ouvrir, et là, ça doit être l'armoire. Voilà. L'espace toilette-douche, avec la petite plante. Le nécessaire de toilette, ça aussi, effectivement, ça peut être utile. Je sais pas ce que c'est. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des affaires de toilette, des affaires de nettoyage. Toilette, douche. Ok, bon. Maintenant qu'on a fait le tour, on va sortir du quartier du capitaine, là, parce que... Hein. Capitaine, il a un doudou. Alors, le cockpit. Mais, il y a encore un truc que je vous ai pas montré. C'est là-bas, tout au bout. C'est un truc qui fait que j'adore encore plus ce vaisseau. La medbay. Allons voir ça. Oula. Allez, on doit être décontaminé. Ah, c'est bon, on peut rentrer à l'infirmerie. Voilà l'espace médical. J'ai toujours voulu m'inscrire à une formation, histoire d'apprendre 2-3 trucs médicaux qui peuvent être utiles dans pas mal de circonstances. Il va vraiment falloir que je me penche sur le sujet. Je me vois bien faire un stage ici. Ou y travailler, histoire de gagner quelques AUEC. Mais bon, ça, on verra. Alors, on en a fini avec le bureau du Toubib. On va passer à la suite. Écran de contrôle pour le lit médicalisé. Et là, on arrive dans le KGB. La remise. L'espace de stock. Ouais, enfin, bon, appelez ça comme vous voulez. Donc, le stockage des médicaments et plantes au frais. Le stock, les archives ou les dossiers en cours ou je ne sais guère quoi. Le stock de médoc. Ok, ok. Bon. Et ici, on a de quoi soigner les blessures plus graves. L'écran de contrôle. Et ce vaisseau est équipé afin qu'on puisse recevoir les premiers soins pendant qu'on est transporté à l'hôpital. Ça peut être utile. Bon, on va s'allonger. Oh, c'est comme dans du coton. Et puis c'est confortable. Enfin, bon, bref. Voilà, comme ça, s'il me reste quelque chose, je me réveillerai ici. Bah ouais, on sait jamais. Il peut nous arriver n'importe quoi dans le verse. Bon, allez, on va se lever de là. Parce qu'on a quand même d'autres choses à voir, mine de rien. Pourtant, on dirait pas du coton, hein.
Désolé. Oui, donc on y va. Non. La porte. Oh. Non, non. Vous allez pas me garder enfermé? Non, mais je suis pas folle, hein. Donc, on disait la suite. On va, voilà, poursuivre la visite. Hein. La porte, s'il vous plaît. Merci. Allez. Du coup, on a vu tout ce qu'il y avait à voir pour cet étage. Maintenant, on peut passer à la suite. On retourne au niveau du cockpit et on va prendre l'élévateur. Enfin, si je l'appelle avant, c'est peut-être mieux. Voilà. Et on va à l'étage juste au-dessus. Élévateur. Ok, j'ai du mal à appuyer sur... Ah, bah non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On va tester ce siège-là déjà, on va voir. Hop là. Alors, où est-ce qu'on l'allume? Non, ça c'est sortir. Ah, là-haut. Power on. Ok, donc là, on peut gérer deux, trois petits trucs. Il n'y a aucun autre bouton utilisable. Ok. On va sortir. Le deuxième siège, j'imagine que c'est la même chose. Allez, on va continuer. Ah, le radar. Vu que c'est un vaisseau d'exploration, effectivement, ça peut être utile. Et je vois que... Waouh. La vue est belle aussi d'ici. Il y a une console de commande. C'était... Oh, bah on peut piloter d'ici aussi. Ok. Ah, c'est cool. Du coup, on peut piloter d'ici ou d'en dessous. Bon, on va redescendre de là. C'est, excusez-moi. Y a un bouton pour sortir. Non? Ah. C'est le vaisseau, il tient vraiment à ce que je le pilote. Oui, enfin, c'est ce que je me dis, quoi. On verra tout à l'heure. Sympa, on a des belles vues. Allez. On va poursuivre parce que mine de rien, on n'a pas fini. Il y a encore tout cet étage-là à visiter. Eh ouais, il est plutôt grand ce vaisseau. Il y a encore des salles. Alors, on va voir ici. Un atelier, salle de réparation, visiblement. Et des outils. Une machine de réparation. Ok. Enfin, j'imagine. Cette salle-là. Étrange. Drone opérateur. Et oui, c'est vrai. Il serait équipé de drones pour justement pouvoir peaufiner notre exploration. Ça peut être sympa.
Bon, ça ne fonctionne pas pour le moment, en fait. Et vu qu'on a encore pas mal de choses à voir, hop, on va se dépêcher de sortir de là et voir la suite. Aïe. Aïe. Mais... Oh. Fallait peut-être pas aller trop vite, finalement. Ah, bon. Poursuivons. Les caissons, j'imagine que on met des trucs dedans et après l'équipe qui est là sur les deux fauteuils s'occupe de scanner. Enfin, j'imagine. Bon. Allez. On va passer à la suite. Et c'est par ici. Hop, ouvrir la porte. Et là, on peut s'apercevoir que le carrack peut héberger un vaisseau. Un subite, par exemple. Mais la vitre, elle est sale, on voit. Ah, mais. Bref, on va fermer la porte. Mais du coup, plutôt pratique. Si on a un C8 Pieces. On peut le garer ici, prendre le carrack pour vraiment faire les longues distances et le petit C8 pour faire des explorations plus fines. On va aller voir ça quand même. Alors, mais j'ai pourtant bien vu les portes se fermer. Enfin bon, encore un mystère divers. Ça arrive parfois. Bref, voici le hangar du Carac. Allez, on sort de là. Enfin, non, du coup, on rentre. Là. Ok, je sors. On va prendre cette porte-là, hein, par exemple. Voilà, faisons ça. Alors, ici, on retrouve. Ah, bah, une tourelle. Faut faire de l'exercice, visiblement, pour aller à la tourelle. Pas beaucoup d'espace, hein. Bon, allez, voyons voir ça. Le Carac possède en totalité 4 tourelles, 3 habitées et une non habitée. Ici, on est sur la tourelle du côté droit, une des 3 tourelles habitées. Elles sont armées de 2 armes de taille 4. La tourelle restante, la non habitée, est également équipée de 2 armes de taille 4. Et là, j'ai été quand même un petit peu surprise parce que, hormis ces 4 tourelles, eh ben, il n'y a pas d'autres armes. Non, il n'y a pas de missiles non plus. C'est tout, les 4 tourelles. Donc ouais, vaut mieux avoir des copains pour occuper les tourelles afin de protéger le vaisseau. Allez, on passe à la suite. Du coup, c'est par là. On va pas aller là tout de suite. Allez, Zou, la salle des machines. Quantum Jump Drive. Le module. Ah, de saut quantique, mais je ne peux pas ouvrir la porte. Bon, c'est pas grave. On va aller à l'étage inférieur. Hop là. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Le module d'énergie. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ces modules, justement, tant qu'on y est. Le Carac possède 2 générateurs de boucliers, un générateur d'énergie, 2 refroidisseurs et un moteur quantum, le tout en taille 3. Ah, mais pourquoi on ne peut pas l'ouvrir celui-ci aussi? Mais c'est pas. Ah! Oups! J'avais pas vu qu'il y avait une tablette pour l'ouverture des trappes.
Ouais, ça va, hein. Je le connais pas, le vaisseau. Bon, je connais juste un tout petit peu pour l'avoir visité une fois. Bon, donc on ouvre ici, hein, voilà. Et bien sûr, toutes les informations concernant les modules ou les armes, je les ai trouvées sur le site Hercule. Le lien, il est en dessous de la vidéo, comme d'hab. Ici, le radar. Ah, il est peut-être pas installé encore. Et ici. Y a-t-il quelque chose non plus? Ok. Alors. On va passer par là. La porte. Ok. Ça surprend quand on rentre dans une aussi petite pièce. Ils doivent galérer à le faire rentrer dans la pièce d'ailleurs, non? Quoi, je me pose des questions bizarres? Non, enfin, je sais pas. Je vois la taille de la porte, je vois la taille de la pièce, excusez-moi, hein, mais enfin. Bref, voilà, on va demi-tour. Tout ça, on l'a déjà vu. On peut donc prendre l'élévateur pour remonter. Et poursuivre parce que, eh oui, encore une fois, on n'a pas fini. Il y a encore pas mal de choses à voir. Ici, petite console de contrôle avec la vue sur la machinerie. L'autre tourelle. Je vous le montre un peu en accéléré, hein. C'est le même principe que l'autre tourelle de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on est du côté gauche. Allez, zou, on redescend de là et on va poursuivre. Alors, ok. Eh ben maintenant il faut qu'on aille par ici. Voilà, on retrouve l'endroit où on était précédemment, avec ici la possibilité de garer un petit vaisseau. Et en face de cette vitre, il y a un élévateur. Et là, dernier étage qui nous reste à voir, l'étage du service cartographie. D'accord, la sortie c'était l'autre côté. Ok. Bon, une porte de chaque côté. On va déjà aller voir ce qui se passe en face. Ici, on retrouve le système de Stanton. Enfin, avant qu'une mystérieuse chose fasse que l'on ne voit plus des lamars ici. En même temps, elle était apparue mystérieusement aussi. Du coup, tout est rentré à la normale. Enfin bon, cela dit, je suis pas une experte en géographie, moi. Sinon, via la console, on peut gérer deux, trois petits trucs. Mais ici, c'est essentiellement pour la cartographie. Il n'y a pas d'autres boutons qu'on peut actionner. Allez. On va continuer. C'est quand même drôlement bien fait, hein. Petit hologramme là. On va passer par ici. Alors, un escape pod. Une belle vue. Airlock. Et ça nous emmène au-dessus du toit du hangar. Ok! Là, on va pas sortir, hein, c'est pour aller du coup au niveau du toit du hangar.
on retrouve une fois de plus des escape pods et la sortie c'est ici. Voilà, on a fait le tour. Fini de visiter l'étage cartographie. Ah, on va pouvoir redescendre. Il nous reste quoi à voir là du coup? Eh bien, il n'y a plus que le cockpit il me semble. Et le cockpit, moi, c'est mon endroit préféré. Allez, on retraverse tout l'étage pour arriver au bridge. Le cockpit, le pont. Ici, ça s'ouvre. Ok. Là, l'ascenseur pour accéder à l'autre cockpit qu'on a vu tout à l'heure. Il est classe quand même ce cockpit, vous trouvez pas? Non mais regardez-moi ça. Oh, la vue qu'on a d'ici pour un vaisseau d'exploration, franchement, c'est nickel. Bon, il y a deux sièges copilotes, mais moi, c'est celui-là que je préfère. Vous vous en doutez bien. Alors, au niveau du siège du pilote, qu'est-ce que l'on a? Déjà, flight ready. Ok, plusieurs écrans. Les options habituelles. Oh, cette vue. Et dis donc, en parlant de vue, on n'irait pas se promener un peu avec le pépère là? C'est parti!